boum, je suis plus que sûr que la plupart de vous connaissent ce bouquin. Ça, c'est l'encyclopédie moderne de bodybuilding d'Arnold Schwarzenegger. Un bouquin qui est très, très connu. Dedans, vous allez trouver des routines d'Arnold et bien sûr, d'autres routines de bodybuilder de cette génération ou la génération des années 90. Ok, super bouquin pour la personne qui veut découvrir le bodybuilding. Mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, bien sûr, c'est faire une routine de bras d'Arnold où je vais cibler le triceps et le biceps. Lorsque j'ai fait une recherche sur ces routines étaient très, très longues. Ça veut dire quoi? Il passait beaucoup de temps dans la salle de gym. Ça veut dire quoi aussi? Beaucoup de volume. Des fois, il faisait 5 à 8 séries par exercice, 5 exercices durant la séance. Donc, imaginez, plus de 45 à 50 séries, et ça, c'est juste pour le biceps. Sans oublier, bien sûr, le triceps qu'il va faire après. Donc, je suis plus que sûr que sa routine de bras, 60 séries. Ok, pas aujourd'hui, bien sûr, on va pas faire 60 séries. On va juste vous donner une idée de comment il a entraîné ses bras. Je ne suis pas très excité par l'ordre des exercices. Le choix, il est bon. Mais je vais vous donner une idée claire comment que vous devriez approcher vos entraînements de bras par rapport à mon expérience et la logique des choses. Donc, on commence avec l'échauffement, bien sûr. Premier superset, on va faire 4 séries de chaque exercice. Bien sûr, toujours revenir en arrière, garder les épaules en bas. Je vais faire 12 à 15 répétitions. Directement, cœur incliné. Super. Et là, je vais faire 10 à 12. 2, 3. 4, regardez comment je garde les coudes en arrière, mes épaules en arrière, je ne remonte pas les épaules. Donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, en ce qui me concerne, parce que chacun est différent, moi, tant que je suis entre 8 à 10, 12 répétitions, je vais garder le même poids. Vous, les personnes qui me regardent, n'essayez pas de prendre un poids lourd ou vous vous retrouvez en train de faire 6 répétitions bâclées. Tant que vous êtes entre 8, 10, 12 et l'exécution est parfaite et vous avez une bonne isolation, vous êtes sur le bon chemin. Essayez d'impressionner les gens autour de vous ne sert à rien. En ce moment, on a une musique metal, hard rock, et ça me fait chier comme pas possible. Mais hey, on est là pour vous éduquer. Tant que je gueule et vous n'entendez pas la musique, je suis dans le bon chemin. Parce qu'en ce moment, il me reste 2 jours pour quitter les États-Unis et venir en France. Donc j'ai tellement de travail. Mais malgré ça, je suis ici en train de le faire. Je ne vais pas laisser les choses autour de moi me gêner ou enlever mon focus. C'est ce que vous devriez faire tout le temps. Il faut faire les choses malgré que vous êtes stressé, que vous devriez faire autre chose. Prenez les choses une à la fois. Donc, je vais augmenter un tout petit peu le poids ici. Ok. Et maintenant, je vais faire 12 répétitions. Ok. Je vais garder le même poids en bas parce que ça ne sert à rien d'augmenter. Bismillah. 1. 2. 12. Voilà, super. Vous savez comment je reste en arrière? C'est ça votre mouvement, là. N'essayez pas de remonter les épaules, restez là, là, regardez là. Ne soyez pas en avant, parce que si vous allez en avant comme ça, vous essayez de faire ça, dès que ça commence à devenir de plus en plus lourd, vous allez vous retrouver en train de remonter les épaules et avancer votre corps de plus en plus. Donc vous allez tricher, ok? Bismillah. 2. 3. 4.
10, 11, 12, parfait. Les gars, vous êtes seuls, je suis seul, j'ai pas de compagnon d'entraînement, mais le boulot doit être fait. Si vous avez un bon compagnon d'entraînement, restez ensemble, faites les choses ensemble. Continuez à être branché dans cette chaîne, vous allez apprendre tellement. Je vous jure, la personne qui est assidue, qui est vraiment disciplinée, qui fait son boulot et suit cette chaîne, en 6 mois, vous allez devenir meilleur que des coachs sportifs autour de vous. Et je reçois tout le temps des emails de votre part de personnes qui sont devenues des coachs sportifs. Ok ? Des personnes qui sont en train de percer. Car le plus ils sont restés ici, car ils ont pris le temps, le plus ils sont retrouvés en train de vraiment avoir des résultats parce qu'ils étaient focalisés. Ils étaient focalisés. Donc je vais aller prendre un petit peu d'eau. Mon eau, où est-ce qu'elle est mon eau? Je suis toujours ici, ne vous en faites pas. Tonton James Corr n'est pas parti autre part. Donc le temps de repos, bien sûr, tout dépendra de votre niveau. Gardez-le entre 2 minutes. Je pourrais dire 2 minutes pour la plupart de vous. Moi, le temps que ça me prend de récupérer, moi, la plupart du temps, c'est 90 secondes. En ce moment, je suis en train de parler parce que je dois vous donner des conseils et des astuces. Ça, c'est mon temps de repos. Donc, les bras. Combien de fois vous devriez travailler les bras? Une fois par semaine, vous pouvez les faire. Si vous avez un point faible, comme les bras, essayez de les faire chaque 3 jours. Mais vous organisez vos routines ou vos autres parties de corps autour des chaque 3 jours. Ok? Donc c'est comme ça que vous devriez toujours approcher vos entraînements de bras. Toujours, toujours, ok? Maintenant, je vais augmenter un tout petit peu ici. Je vais essayer de faire 10 à 12 répétitions dans les mouvements de tirage. Et les biceps, je vais rester là, le même poids. Bismillah. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh. Parfait. La congestion commence. Je commence à les sentir. 12, super, super. Donc il me reste encore un dernier super set ici et on va finir avec la première section. Donc bien sûr 4 séries ici ou 4 super sets. Le premier super set, c'est l'échauffement. Dès que je finis ici, je passe à la deuxième section, 2 exercices nouveaux, enfin les exercices d'Arnold, mais je vais juste faire 3 supersets. Je ne vais pas faire 5 ou 4 comme il faisait. C'est complètement différent. J'ai besoin de temps pour récupérer. C'est très important pour vous de vraiment récupérer. Car si vous ne récupérez pas, vous pouvez faire tous les entraînements dans le monde. Vous n'allez jamais gagner de la masse musculaire parce que vous avez fait tellement de dommages musculaires. Il faut récupérer pour pouvoir réparer tout ce dommage. S'il n'est pas réparé, vous n'allez pas gagner de la masse, vous allez revenir en arrière, vous allez perdre de la masse musculaire. C'est pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent en train de dire je m'entraîne beaucoup, je vais à la salle de gym, mais je ne progresse pas, parce que tu ne donnes pas du temps à ton corps de récupérer. Donne-lui du temps, spécialement les ectomorphes, les personnes qui sont très très secs. Ces personnes doivent s'entraîner 3 fois par semaine, pas plus. Entraîne-toi un jour, repose-toi le lendemain matin. La plupart des gens qui me regardent en ce moment, vos entraînements doivent être pour prise de masse, 3 à 4 fois par semaine, pas plus. Je parle des personnes naturelles, je ne parle pas des dopés. Des dopés, c'est un autre monde. S'ils injectent, ils peuvent récupérer plus rapidement. Mais malgré ça, durant mon carrière professionnelle, je prenais des stéroïdes bien sûr. Je m'entraînais 4 fois par semaine, même avec les stéroïdes. Parce que ça me permettait de récupérer. Je travaillais plus sur l'intensité. L'intensité durant la séance. Durant une période courte. Donc mes séances n'étaient pas très très longues. La plupart du temps, c'est entre 1h10 et 45 minutes des fois. Tout dépendra de la partie de corps que je travaille.
Dernier super set, go. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dès que je sens que mes épaules commencent à remonter, ça ne sert à rien de commencer, de continuer. Donc vous commencez à remonter les épaules, rien sur le triceps, ok? Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. Voilà. J'ai fini le premier super set. Maintenant, je passe directement au deuxième super set. Maintenant, on passe au deuxième super set. Deux exercices. L'exercice de biceps, c'était curl alterné debout, avec les haltères bien sûr, et des extensions de l'avant-bras pour le triceps. Il le faisait debout, je vais le faire assis. Pourquoi? Parce que debout, ça va commencer à perturber la caméra, les gens autour de nous. Je préfère le faire assis, c'est mieux. Pourquoi? Plus d'isolation et moins de chances de tricher. Debout, plus de chances de commencer à tricher et recruter le bas du dos et ramener les épaules. Ici, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pour ça que je l'ai changé. Mais vous pouvez faire le debout, mais attendez-vous à tricher. Donc, on commence avec extension triceps. Donc, 8 à 10 répétitions. Cet exercice, vous n'avez pas besoin de prendre lourd parce que c'est tellement précis, c'est tellement dur à faire lorsque vous êtes dans cette position parce que vous ne pouvez pas tricher aussi ici. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre très très lourd. En plus, c'est un exercice unilatéral. Donc, plus de focus sur une partie ou un bras à la fois ou un triceps à la fois. Ah, directement. Curl alterné. Ici, je vais faire 8 à 10 répétitions. Ok, premier super set. Cette section, je vais faire juste 3 super sets, pas 4. Je suis déjà échauffé, je ne vais pas perdre mon temps à faire une autre série pour l'échauffement. Donc le travail va être fait sur 3 super sets. D'après ce que j'ai remarqué, je vais garder les mêmes poids pour ma situation, en ce moment. Je ne peux pas rajouter parce que je vais perdre mon exécution. Et si je perds mon exécution, ça ne sert à rien. Donc si vous êtes quelqu'un qui est fort, qui peut faire plus que moi, bravo. Mais s'il te plaît, fais la répétition proprement. Ok? Ne commence pas à tricher et travailler ton ego. Tant que tu as 8 à 10 répétitions parfaites, comme tu m'as vu, boum, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de... Tu es partout, on dirait que tu es dans un manège, tu es ok. Ok, ça c'est important. L'exécution est importante. Ok. Deuxième super set. Let's go. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 10. Go ahead, go ahead, go ahead. Don't worry about me, bro. Just do your thing. Don't worry, my man. 3, 4,
Cette partie, vous n'avez pas remarqué, je vais vers l'extérieur. Pourquoi? C'est par rapport à la déchirure du pec. J'ai une imbalance ici, il faut que je fasse très attention. C'est pour ça que arrêtez de faire le développé couché. Apprenez de l'expérience. Apprenez. Les personnes qui veulent faire le développé couché, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire d'arrêter de le faire. Sauf si vous êtes un powerlifter. Amusez-vous, faites-le. Ok. Directement. Bismillah. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Ok, parfait. Un autre dernier, super set. Et après, on bouge à la prochaine section. Maintenant, les personnes qui faisaient de la musculation auparavant, ils se retrouvent en train de s'arrêter pendant un bon bout de temps. Et ça leur manque. Toi, la personne qui me regarde en ce moment, qui vient tout juste de commencer ou recommencer, mets-toi dans la tête que tu as arrêté quelque chose que tu appréciais, qui te rendait vivant, qui te donnait de la confiance, qui te donnait de l'importance, pas de l'arrogance. Tu sais très bien que la plupart de vous ne sont pas arrogants. Les arrogants, on peut les voir à 10 km. Tout ce que je peux te dire, c'est jamais t'arrêter. Jamais t'arrêter. Reprends. Ne commence pas à te poser des questions. Oh, ça c'est pour les personnes qui se posent tout le temps des questions. Les personnes qui se posent tout le temps des questions, c'est parce qu'ils ont abandonné. Fais quelque chose. Parce que je te jure, même si tu as fait un tout petit peu, lorsque tu vas quitter cette salle, tu vas la quitter avec beaucoup de satisfaction. Tu vas te sentir mieux. Tu as sué, tu as libéré des endorphines. Automatiquement, tu vas te sentir bien. La douche que tu vas prendre après ta séance de musculation. Comment tu te sens après? Un bon repas devant toi. Comment tu vas te sentir après? C'est comme ça qu'on vit notre vie. C'est par rapport à avoir une vie saine, super saine, pour qu'on puisse faire les autres choses qui vont nous faire avancer dans la vie. Que ce soit business ou s'occuper de nos familles ou faire autre chose. Toute personne, pour moi, toute personne qui ne fait pas de sport, sport en général. On ne va pas parler juste de la musculation. Parce que la musculation, c'est super important pour tout le monde. Parce que non seulement ça régresse la vieillesse, ça empêche la sarcopénie, c'est-à-dire le catabolisme et la perte de muscle lorsqu'on commence à gagner de l'âge. Mais faites un sport. Faites quelque chose qui vous donne ce bonheur, ce sourire, au lieu de juste rester à la maison, ne rien faire, à regarder vos amis en train de vous dire « Ah, t'as pas besoin de le faire » parce qu'ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde, donc ils veulent vous ramener avec eux. Vous n'avez pas besoin d'être une chèvre. Devenez un berger. Lorsque vous commencez à devenir un berger, vous allez avoir beaucoup de chèvres qui vont vous suivre. Et ça, c'est de la puissance. Sauf que soyez un berger qui donne un bon exemple, pas un mauvais exemple. C'est ce qu'on voit maintenant partout sur Insta et sur les réseaux. Beaucoup de chèvres qui suivent des personnes qui donnent des mauvais exemples. Ok? Donc, soyez quelqu'un qui va être un bon exemple pour tout le monde. Rôdez avec des personnes qui ont la même façon d'approcher les choses que vous. Et ça, c'est important. Je vous jure, si vous êtes déprimé, si vous êtes stressé, juste posez pendant une minute et commencez à vous poser des questions. Pourquoi vous êtes déprimé? Et je vous jure, vous allez savoir pourquoi. C'est toujours des personnes dans votre vie. Toujours. Donc, on va finir le dernier superset, comme ça on va se casser d'ici. On va aller autre part, comme ça on ne va pas gêner les gens. Donc, triceps, le dernier bien sûr. Ah. Ah.
Donc vous pouvez prendre un bon droit comme le mien, comme je suis en train de faire l'exercice, et bien sûr vous positionnez bien droit, protégez votre dos. Je commence à le sentir comme pas ici. Oh shit, man. Dernière série pour le biceps. Voilà, done. Dernier superset. Avant de commencer, bien sûr, j'ai oublié. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie. Un petit j'aime serait super cool de votre part. Ça va permettre aux gens de vraiment découvrir cette vidéo et vraiment apprendre tout ça. Partagez. Le partage est très important. Ne gardez pas juste cette vidéo pour vous. Aussi, si vous n'êtes pas abonné, vous êtes ici depuis longtemps, je me demande pourquoi vous n'êtes pas abonné. L'autre chose, si vous êtes intéressé à rejoindre mon académie, bien sûr, et vraiment être bien suivi par rapport à des protocoles d'entraînement, que ce soit prise de masse ou sèche, vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Ça vous coûte 69€ par mois. Essayez un mois. Et vous allez voir une super structure toute l'année, que ce soit prise de masse ou sèche ou perte de poids, tous les niveaux. Son dernier super set, il avait deux, j'ai juste choisi un. Le premier, c'est bien sûr, c'est un tirage prise supination pour les triceps, ok. Celui-là, que pour moi, c'est un exercice qui est ok, j'aime pas trop le faire parce que pour moi, je sens pas vraiment la contraction, mais on va faire sa routine. Comme exercice finisher, vous pouvez le faire. Maintenant, ce que j'aurais aimé qu'il fasse comme dernier exercice, bien sûr, ça c'est sa routine, c'est pas la mienne, c'est de faire unilatéral et focaliser bien sûr sur la contraction. Désolé, il y a le bruit de la barre. Et bien sûr, sans l'exercice favori, le curl concentré. Là, c'est super de finir avec parce qu'on arrive à la fin, on est fatigué. Il faut prendre un bras à la fois. C'est parfait comme exercice de biceps avec lequel vous devriez finir. Et là, c'est plus un travail d'isolation et une bonne exécution. Je vais rester sur le même poids. Je ne vais pas changer. La seule chose que je vais changer, c'est cette barre qui me fait chier en train de faire tout ce bruit. Et je suis plus que sûr que ça vous dérange, donc on va la changer. On a plein de barres ici. J'espère que celle-là va marcher. Donc, pour les personnes qui me demandent tout le temps, comment tu arrives à être motivé tout le temps? Jamo, comment tu arrives à toujours avoir la pêche? Je n'ai pas toujours la pêche, hein. Je suis un être humain, je ne suis pas un robot. Mais à chaque fois que je perds la motivation, je regarde les choses autour de moi. Ma famille, pourquoi je fais ce que je fais. Vous, mes abonnés attendent une vidéo. Il faut que je continue à les éduquer. Vous me motivez. Vous. En plus de ma famille, bien sûr, les autres choses autour de moi. Bien sûr, je suis quelqu'un qui veut toujours faire les choses dans la vie.
toujours avancé. Ma créativité par rapport à ce que je fais. Si vous regardez mon passé, vous allez remarquer que je suis passé par beaucoup de choses. Des choses qui ont super bien marché et des choses qui n'ont pas marché. Et c'est ça la vie. Des fois, vous allez avoir des échecs. Des échecs, vous allez apprendre. Vous croyez qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous allez réussir. Vous pouvez demander à n'importe qui. L'autre jour, j'étais en train de penser à Arnold Schwarzenegger. Enfin, on est en train de faire la routine d'Arnold. Arnold a eu beaucoup d'échecs. Je me rappelle, je suis parti à son restaurant qui s'appelle Chadzi. Chadzi, c'était à Venice Beach. Lorsque j'allais là-bas pour manger le petit déjeuner, il avait des petites madeleines. Lorsque tu t'assois, on te ramène une corbeille de 12 madeleines, des petites madeleines. Elles étaient super bonnes. Oh mon Dieu! Eh bien, c'était son restaurant. Je suis revenu un an après pour prendre le petit déjeuner. J'étais impatient de le prendre, de le manger parce que j'étais en pleine diète. On va aller chez Chadzi. J'appelle mon copain. Petit déjeuner chez Chadzi. Il me dit, non, Giamo, il a fermé quoi? Il m'a dit, il a fait faillite. Ça n'a pas marché. Juste pour vous montrer, même Arnold, avec son nom et sa popularité, des fois, lorsque vous faites un business, ça ne marche pas. OK? Donc, il ne faut jamais se désespérer, jamais abandonner. Et trouver la raison pourquoi vous faites ce que vous faites. Les épaules qui commencent à remonter, pourquoi? Parce que j'aime pas cet exercice. Je suis juste en train de le faire parce que c'est son exercice. Parce que par rapport à la prise supination, elle est un petit peu faible. Elle n'est pas durant les mouvements de tirage hein, pour les triceps. Supination, elle est un petit peu plus faible que pronation. Vous avez une bonne prise. C'est pour ça que lorsque vous commencez à vous fatiguer, vos fléchisseurs des poignets commencent à abandonner, à s'affaiblir. Et bien sûr, vous commencez à remonter l'épaule. Ok. C'est pour ça que restez sur les prises pronation. Si vous faites cet exercice, d'ailleurs je vais le faire à la fin, le dernier superset, je vais faire unilatéral et vous allez remarquer que je vais avoir plus de contrôle sur le mouvement. C'est pour ça que l'ordre et la sélection d'exercices est très importante. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dernier super 7 et on va finir. Lui a fait 4, je ne vais pas faire 4 parce que la vérité, je ne vais pas récupérer. Et en plus, j'ai presque 57 ans, je n'ai pas 21 ans. Attendez, une poignée, voilà. Maintenant que j'ai une poignée, vous allez remarquer que je vais être plus confortable durant le mouvement que lorsque je suis en bilatéral. Important de toujours finir vos exercices de biceps ou de dos avec des mouvements unilatéraux. Parce que vous arrivez à la fin, la logique, vous commencez à vous fatiguer. Donc vous n'allez pas avoir la même énergie que vous avez eu au début. C'est pour ça que les prises, elles sont importantes. Dans la situation des biceps ou triceps, toujours finir avec un exercice unilatéral. Parce que vous pouvez focaliser sur une partie à la fois. Vous pouvez donner tout votre focus. Vous n'avez pas besoin de charger parce que c'est la fin, vous êtes fatigué. Charger sera stupide, sérieusement, pas logique. Ok. Et de là, vous continuez, vous finissez votre séance. Là, c'est mon dernier superset et c'est fait. Regardez, maintenant, j'ai plus de contrôle. Regardez, super. Il y a l'épaule qui ne remonte pas. 8, 9, 10, super. Directement,
meilleur deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Séance finie. Séance finie. On arrive à la fin. Marrer la musique qui est chiante, mais on l'a faite. Maintenant, dans la section des commentaires, dites-moi comment vous entraînez vos bras. Qu'est-ce que vous voulez voir ici? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent d'autres parties de corps. Le but, c'est pas toujours faire la même chose. Des fois, je change mes routines. Mais je vais toujours continuer à faire ces lives. Parce que ce qui est important, c'est pas juste les astuces d'entraînement. C'est la motivation. C'est me voir. Des fois, j'ai remarqué dans la section des commentaires des personnes qui ne veulent pas s'entraîner. Ok, ils regardent cette vidéo. Ils vont directement à la salle et commencent à s'entraîner. C'est ça mon but. Des fois, les gens, ils sont sur leur vélo elliptique ou sur leur vélo. Et ils mettent la vidéo avant leur salle, avant leur séance. Et ça, c'est avéré qu'ils vont faire, comme aujourd'hui, les bras. Et bien, ils vont faire cette séance. Et ça me fait plaisir que les gens suivent ce que je leur dis, suivent les astuces que je donne. Certes, vous avez d'autres YouTubeurs. Chacun a son YouTubeur préféré. C'est OK. La vie, c'est des choix, comme on a dit. Mais on n'est pas ici pour essayer de faire la compétition avec les autres. On est ici pour vous éduquer par rapport à la logique, pardon, et par rapport à un français que vous pouvez comprendre. Parce que vous savez très bien que je pense en anglais en ce moment pour vous parler en français. N'oubliez pas ça pour les personnes qui sont ici pour la première fois. OK? Donc, laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. La prochaine vidéo, écoutez bien ça. Je vais être avec Chris Keller. Là, je prends l'avion pour Paris, enfin Londres d'abord, pour 2 jours, ok? Pour 2 jours, dans 2 jours, pardon. Je prends l'avion pour Londres, après Paris, pour faire des collaborations. Et la prochaine séance live va être avec Chris Keller. On va faire l'écran et on va s'entraîner pour vous motiver. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Un petit j'aime serait super cool. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, le gueule.